On est ici à Saint-Quay-Portrieux pour notre premier Grand Prix de Multi 50. Nouveau team, nouveau sponsor. Une belle saison qui s'annonce. On va tout déchirer. Allez, ciao. Le bateau a un bon potentiel vitesse, je pense, même s'il est assez vieux. On sent que voilà, on était sous code zéro quand les autres étaient sous Solent, et c'était un bon choix de voile. On se sentait vraiment à l'aise au près, mais ouais, plutôt content de la vitesse et de la façon dont on a tactiqué hier sur les parcours construits aussi. C'est de bon augure. Alors on a eu des conditions un petit peu particulières ici à Saint-Quay, mais c'est vrai qu'on apprend le bateau, on progresse tous les jours et ça c'est bien. Et puis d'être au contact des tout meilleurs, ça nous tire aussi vers le haut. Donc on est content d'être là, on a encore des choses à apprendre, mais petit à petit il va falloir vraiment compter sur nous. Seb, je le trouvais très, très posé à bord sur le bateau, très concentré. Vraiment pour chercher la performance au maximum sur ce bateau. C'est très bien parce qu'on a des équipages en face de nous qui sont très expérimentés, qui connaissent très bien leur bateau. Donc c'est très encourageant pour la suite. Puis toute cette côte costa-américaine qui défile avec un temps superbe, donc le cadre était là en plus. Mathieu, il nous aide pas mal là pour bien réussir à cerner les manœuvres dès le début. Donc il nous fait tout un coaching avant de commencer. Et c'est top d'avoir un gars comme ça qui nous coach sur le bateau. Il nous apprend beaucoup de choses tous les jours. On a l'opportunité aujourd'hui de naviguer avec lui à bord du Multi 50 et c'est une chance énorme pour nous. Donc voilà, c'est un peu notre mentor qui monte un super projet, quelqu'un de dynamisme et un très bon marin. Et nous, on a la chance d'être un peu derrière et apprendre tout ça, apprendre un peu la voile professionnelle à travers les yeux de Seb. Voilà, première course, premier podium. On l'a fait parce qu'on avait un peu la rage en arrivant ici. Et c'est le plus beau des cadeaux qu'on a pu offrir à toute l'équipe, que ce soit à terre ou en mer. C'est démener pour que ce projet soit aussi performant dès le début. Et pour nos partenaires qui ont cru en notre projet, leur offrir un premier podium sur la première compétition officielle, voilà, nous on est juste super heureux de pouvoir offrir ça à tout le monde, et maintenant on a le couteau entre les dents et on va aller chercher les belles places sur le podium.